Level 5, je peux faire des trucs, hein. Oh mon dieu. Bon, Nautilus nous a fait une game Nautilus, c'est-à-dire qu'il aggrabe et ça touche. Pourquoi il fait ça, lui? Oh. Oh, la rotation CC était pas bonne, mais ça va. Sur le Varus, nice. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ce que je viens de voir, entre le Sylas qui a pu la merde, la Oriana qui a pu la merde, et là maintenant c'est le Bard qui pue la merde, ça me donne... bien, cool. Commence bien comme game. J'aime tellement pas l'encontre Darius. Ah bah c'était mon permaban de l'époque avant que Fiora devienne un perso ingérable. Merci Gotham. Merci pour les 82 mois, mec. Là, ça se trouve, il m'attend ici, hein. On a gagné et le trade. Attention, pas sur Karma. Et on a quand même récupéré l'XP plus la line va push. Ah, c'est le Darius bien intelligent là en termes de gameplay. Alors je me suis fait un peu karma là-dessus. J'avais pas vu en fait, j'étais en train de me dire faut qu'il assiste encore un sbire pour level up. Et on fait attention à prendre l'XP là-bas. Oh là là, le farm. Mais tu vois, level 1, on peut quand même gagner contre un Darius. Bon, surtout s'il joue en full front lane. Alors, Yana va se faire snowball salement, je pense. Hein. Il a son timing recall. Oh, j'aurais pu l'avoir. Alors ça va être le moment malaise. Ok, 3-0 Belvette, ça fait pas plaisir. On va être devant en XP, mais alors le farming, faut se réveiller, hein. C'est pas le pire pour farmer sous tourelle Atrox, mais faut s'accrocher. Je pensais pouvoir l'avoir. Je voulais garder mon Z au cas où le Darius crée un freeze. Alors il a bot. On a une belle wave. En vrai j'avoue que je peux respecter aussi le matchup, hein. On peut faire rush Tabi Ninja. Ils ont beaucoup d'AD en face. Et je scale bien le matchup. Il a bien repush la wave. Juste à temps pour pas qu'elle arrive sur la tour. Après il aurait pu essayer de la bloquer, hein, mais... Bon, la game va être une autoroute, les potes. Je vois pas comment on comeback une compo avec des persos qui vont juste nous foncer dessus, quoi. Ils nous outstat. Y a bot et mid qui sont en train de bien se faire détruire, là. Il a 14 CS au mid. Là, j'ai envie de jouer Ignite. Non, ça sert à rien. C'est dommage de claquer mon Z sur ce timing là. Oh, les Darius player, frère. Non, ça sert à rien, j'ai pas de... Oh non. Qu'est-ce qu'il fait à terme, le Darius? Oh. Eh, le Darius, les gars, il est pas réveillé. Il est pire que moi. Hein. Pourtant, je fais pas une game mécaniquement de zinzin, mais juste, il se prend tous les spells. Ok, je peux pas freeze ça. Il y a le touch qui est miss. Oh, il y a le Bard qui fonce. Je vais péter la wave. C'était pas le Twitch. Oh, c'est relou, hein. Je joue contre un bot intermédiaire, mais il y a un petit souci là. Allez, j'attends.
Non, la game est pas finie parce qu'il y a Darius qui existe, mais... Oh. Il a acide canon raté. On va juste lui proc sa plaque d'eau sur ce timing là. Avec le Sylas, il a fait bot top. Il est partout. Je pensais avoir le temps de push en vrai, mais... Le Sylas font stop. Non. Il aime trop rater des trades. Il aime trop ça, le Darius. Il y arrive pas du tout. C'est lui que je choisis le matchup pourtant, mais... Ça doit être un OTP. On met un petit Q spell, E à haute, on est safe. Elle me regarde en mode j'ai pas ouvert assez la porte. Oh mais putain frère, il a un positionnement. Voilà. C'était ok, c'est pas fou hein. C'est vraiment que le fait qu'il soit nul qui fait que ça passe, mais... J'ai envie de crever avec mon farm. Vas-y, on n'est jamais trop gourmand. Même si c'est auto-attaque qui sert à rien, j'aurais du back. Quelque peu greedy celui-là. Non, je meurs du passif dans tous les cas. Quelque peu greedy celui-là. Bon, la game est finito, je suis en mode... C'était le for funs. Je suis pas sûr que je m'aurais du drop de blood ici. T'as un coco avec Darius? Non, on me compare pas à lui. Là, j'étais en for fun, lui, il est en for in, c'est différent. Oh la Rihanna, comment tu veux continuer à le chase si tu te positionnes de la sorte, ma belle? Oh, c'est vide. Oh, le gameplay, il est vide. Tu t'es escape d'une situation où tu gagnes. Oh, mais elle a pas push la wave à la... Oh, oh non, même en diamant sur le consumer, je peux pas voir ça. Oh, c'est à gerbé. Oh, le master, les gars. Je fais une game qui est nulle, hein, mais genre, y a même pas d'adversité en face de moi. Ah, ma game est nulle en soi, hein, mais... Oh, y a le bard aussi. Putain, il avait son flash. Ils m'attendent là. Ils sont tous là. Et je suis wardé, donc le fun est peu présent. Le problème c'est que le bard peut être encore là juste pour me claquer un petit portail et il y a une belle bête overfed qui me fonce dessus quoi. Ils vont venir à 3. Personne qui vient. Ils vont être 3. La wave est pas bien push de la part du Darius mais ça on n'est pas choqué, son wave management est pas au point. Il n'y a pas que le wave management. Le bard du coup elle est mid.
J'ai mal aux yeux. Vas-y, on va tenter. Il va être encore là, je pense, mais... J'ai envie de tenter le 1v1. Il y a le Bard qui arrive. Il y a la Belvette qui arrive. Ouais, je me casse, je me casse. Ah mais il est encore là. Ah, le Bard avait pas back. C'est une catastrophe hein. Je te jure que même en diamant je peux pas affronter Darius. Je vais téléporter quand même pour essayer de save. Ouais, il est full. Oh, ils ont toujours leur flash. Ok. Je pense qu'il allait foncer sur la top lane. Mais on peut peut-être le choper à deux. Il a pas ward. Après, avec le Bard est souvent top, donc ça m'étonnerait, mais... Non, il a pas ward. Il va quand même mourir, je pense. Oh, c'était close. Putain, le bot intermédiaire, il a couru tout droit, full ghost in. Pourquoi ça se fait ping là? Littéralement, l'action est bien. Bon, j'aurais pas dû win contre le Darius tout à l'heure parce que littéralement la game est winnable en fait. Ok. La game est winnable. Compliqué hein, mais pas impossible. La game est terrifiante. Le niveau est terrifiant. Le Bard... Enfin tout le monde en fait, même le Sylas en vrai il est juste overfed mais il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Là tu vas me dire que le Darius est pas en train de push la wave, genre, mais qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps là? Il attend dans le bush. Ah ok bon. Ah, le Darius est un creep. J'ai vraiment pas les mots. Mais pourquoi vous êtes en train d'engage même, genre? Ouais, le Bard il est en train de bien carrer. Bah, moi je suis content, hein. Moi je suis en mode bah. Mon adversaire était pas humain, mais il a gagné la game, ça arrive. C'est pas pire que la game de Gnar où j'avais 2500 gold advantage et que je savais que j'avais perdu. 14 minutes de jeu, 2500 gold advantage, super la game, t'es en mode bon bah celle-là elle est chiante. Bon c'est la last game malheureusement, mais... En vrai j'avoue que depuis les... Bah du coup les 4-5 dernières games,
J'ai mis que des gaps sur mes top laners, je crois. C'est quand même satisfaisant. Ah, y'a du monde ici. Alors j'ai réussi à mettre des bons gaps et c'est tout ce qu'il faut quoi. La rame de chauve, je te jure, la petite game viewer là. Petite game viewer qui est intéressante hein. On est en train de bien s'amuser. Et si on peut la lancer rapidement la vraie partie. C'est une équipe qui perd ma groupe et une autre un poil moins. Il n'y a pas de petit profit. Pas loupé du canon, c'est win. Ça me ping, c'est une dinguerie. Cette team était une dinguerie. Depuis le niveau 1, c'était une dinguerie. La Oriana savait pas jouer mécaniquement, mais on est en master. Putain de merde, j'ai pas de compte plus haut. J'ai pas de compte plus haut, chat. Là, j'ai plus de... C'est mon smurf, quoi que ce soit. Vas-y, Grenandlus. Merci beaucoup, mec. À chaque fois que je vois des petits Aegis, TDS, Solari dans le chat, ça me fait toujours plaisir. Je me dis, bon, la LFL, elle va être belle. Bon, me dites pas que c'était un OTP quand même, si. Putain. La dinguerie. Il connaissait pas ses timings de... Il faisait pas bien ses combos, il savait pas ses forces. Ses connaissances de match-up étaient nulles.